le 3 a officiellement été couronnée le samedi 10 mai, en l'abbaye de Westminster, à Londres. Une cérémonie historique suivie dans le monde entier mais, qui a laissé place à de nombreuses rumeurs. Et l'une d'entre elles concernait Meghan Markle. Si la duchesse de Sussex n'avait, officiellement, pas donné suite à l'invitation de la famille royale, certains internautes ont cependant cru l'avoir aperçue dans l'église. En effet, suite à la transmission télévisée de la cérémonie, de nombreuses personnes présentes ont été aperçues par les téléspectateurs. Notamment le compositeur Sir Carl Jenkins qui avait décontenancé les internautes de par son look original. Mais voilà, si l'allure du musicien en a étonné plus d'un, d'autres, au contraire, se sont amusés à raconter sur la toile que ce dernier n'était autre que Meghan Markle, déguisée. Pourtant, sur son compte TikTok, le musicien et compositeur gallois a balayé cette rumeur en personne. J'étais assez surpris que certaines personnes aient pensé que j'étais Meghan Markle déguisée, a-t-il fait savoir, amusé. Quelqu'un a même écrit que j'étais là pour voler les bijoux de la couronne. Une vidéo dans laquelle l'homme s'est montré amusé par les critiques et qui a ainsi permis de démentir ce bruit de couloir. Supérieur à photo, couronnement de Charles III et Camilla, complicité, émotion. Retour sur les moments forts de la journée en tant que porte-parole du couple des Sussex, Omi de Scobia, auprès du Harper's Bazaar, dévoilé quelle était la vraie raison de l'absence de Meghan Markle au couronnement de Charles III. En toute transparence, l'amie de la duchesse a ainsi expliqué qu'elle n'était pas forcément très à l'aise, ou suffisamment bien accueillie par la famille royale pour y assister dans de bonnes conditions. Une raison qui, en somme, paraît être très plausible puisqu'au début du mois, l'expert en tête couronnée avait rapidement assuré que les membres de la firme s'étaient montrés très soulagés par l'absence de la mère de famille. Crédit photo, Backgrid USA Best Image.